Ok, Reginald, parlez-nous d'après ou même Sowe, parce que c'est sûr que tu es toujours très in dans les affaires musique. Est-ce que d'après ou même Jean Musique là, il est là aujourd'hui, hein, est-ce qu'il y a évolution pour toi ou bien est-ce qu'il y a régression? Dis-nous et mon y a pas de mon y a pas de où fais nous connaître. Ok, je suis bien content qu'on mette dehors, on va aller. On va cavaler de ça. Disons, voilà. Moi, je suis un monde qui a de toute qualité de musique. Et voilà, avec quoi, et musique, je suis content de l'homme. Et même avant l'adolescence, gamin, quoi. C'était de mon Jean-Baptiste, Richard Durozo, les solos de Richard étaient des choses pour moi. Des choses géniales. Mais, moi, je suis content de Ibo Combo tout en pile, Ibo Combo et Ibo Lele. Je crois que je suis venu de style, ça, style Ibo Combo, bien que je me suis remis de mou en pile. Maintenant, est-ce qu'il y a évolution? Il y a eu, si vous voulez, des tentatives, parce que moi, j'ai des groupes. Qui chaque fois venir avec d'autres propositions, mais malheureusement, il n'y a pas arrêté. Justement, ça qui fait ça. Bon, il n'y a pas arrêté parce que, je ne sais pas si vous remarquez ça, si je prends la chance de dire ça, non seulement que la musique a vint virer, et à l'époque, pas bien que, on a dit qu'on fait musique plus pour s'amuser plutôt ouais. que pour vivre. Ouais. On y a son industrie, bah, là, et les vins qu'on y a là, et regardez côté le vin pollué par une série d'éléments qu'on va même qu'à disparaître parce que finalement, chaque monde pensait que lui-même est capable de faire des propositions musicales qui pas en général est respectées, en fait, les normes ne sont pas respectées. Tout à fait d'accord. Et on y a, ça qui vient, maintenant, bon, on sont animateurs de radio. Et où sont, bon, par contre, si c'est animateur de Radio Mkarelo, où sont des gens qui impliqués, si vous voulez, dans cette évolution de la musique, parce que c'est encore, ça quoi, m'a regardé choix, le musicien qu'on va faire pour les, c'est des gens quand même qui sont capables d'aller dans la même direction avec, maintenant, ça m'a dit là. Et donc, de ça que vous voyez, vous voyez que, dans pile fois tout, que, on orchestre vient avec une musique extrêmement valable. Et puis, ouais, que musique, ça a eu fourré l'antiwa. Premièrement, parce qu'il n'y a pas eu de versement. Attends. Donc, comme il n'y a pas eu de versement, enfin, on se comprend. Hein. Ah, mais tout à fait. Comme il n'y a pas eu de versement, donc cette musique va rester dans les tiroirs. Bon, maintenant, et puis brusquement, ouais, qu'on y a un lot, et paraître. Et puis, ouais, elle a fait succès, tout simplement. Bon, push que musique là. Bon, comme qui va en bas. Donc, trop français original. Ok, d'accord. Donc, en fin de compte, je viens de réaliser que ça n'a pas aidé la musique hein, pas à vite. Ce niveau. Pas vite. Il n'a pas aidé la musique du tout parce que, au fait, on a toujours copié ce qui n'est pas bon dans ce pays. Tout à fait. On copie tout ce qui n'est pas positif. C'est toujours ça pas bon. Hein. Donc, on y a regardé, on y a tout l'autre question qui attendait que telle musique ça a joué parce que justement, il y a un groupe qui va en bas, et musique ça va, et puis musique qui prend la rue, il y a dans le même sens ça. Référence que vous prenez, référence de justement musique qui t'a censé pas vraiment bien arrangé, bien conçu. Je n'ai pas aucun problème avec la musique commerciale. Au contraire, je pensais que la musique commerciale a même plus de valeur. Et commerciale, ça veut dire que son produit qui est bien fait, qui bien produit. Dans mes définis commercial là, moi. La phrase. Bon, et nous avons tendance à faire. Qu'on dit, nous avons tendance à mélanger commercial et populaire. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Parce que tout ce qui est musique est commercial, d'après moi-même. Exact, la musique que tu fais. C'est relatif au commercial dans le sens où il y a des musiques qui allaient tellement à un niveau que ils parviennent et j'ai envie de dire en anglais, reachable, il y a des gens comme ça, qui pas réceptif. Et donc, je connais à dire que si toute musique commerciale
Donc la musique classique est-elle commerciale? Mais tout à fait, parce qu'il y, okay. y a un marché pour cette musique. Bon, il y a un marché, une radio, si vous voulez, on ne va pas dire limité, mais c'est un marché. Oui, mais le marché existe. Oui, bon, si c'est pour ça. Toute musique nette et tout est commercial. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Même s'il y a un seul consommateur, oui. Même j'ai l'impression qu'on a l'autre opinion du commercial, la musique commerciale. Là. Non, mon opinion de n'importe quoi. La seconde de n'importe quoi, c'est parce que qu'on y en a. Bon, on sait même qui dit qu'on l'a fait, on dit que musique ça marche parce que c'est pas bon. On a même qui dit ça. Musique là marche parce que il est pas bon. Parce que le pas bon, ça m'a toujours. Donc, ça va être très paradoxal. Wow. La marche parce que le pas bon. Vous comprenez? Bon, donc dans ce cas là. Est-ce que c'est pas ça qu'a fait là, dans le moment qu'on a parlé là? Je pense qu'il y a eu, franchement, je me dis vraiment, il y a eu quand même des efforts. Maintenant, des groupes, et je pense qu'il y a même au niveau des textes. Moi que gagne fort fait parce que moi époque on s'aime pas bon menti et texte était vraiment de n'importe quoi parce que dans ce sens ça vient d'autres approches. Je ne vais pas critiquer les groupes haïtiens, je ne vais pas critiquer les musiciens haïtiens, je dis que pour répondre à la question là, effectivement, est-ce qu'il y a eu évolution? Bon, évolution à partir de quoi? Est-ce à partir maintenant de manière et mélodique, harmonique, à partir de généralement parlant, est-ce qu'il y a évolution, est-ce qu'il y a régression, généralement parlant? Bon, et pas mal pour c'est le plus loin, mal dire qu'il y a eu régression, parce que j'aime Dolan, pas oublier que et chaque époque, on prend bien n'est pas épargné à dire que ça m'attend déjà dit, hein. Je ne vais pas comparer là, ça m'attend déjà avant. Si c'est pour ça m'a dit que ça m'attend déjà avant, c'est eux-mêmes qui bon ouais, seulement. Tout à fait. Pas qu'à dire ça parce que l'orchestre, ça y est, nous sommes pour les plaques, ça y est, elle m'a dit, on entend de Timoun. On a toujours posé cette question. Qui j'en fais que l'homme de Timoun, son bail enrichissement qui fait au milieu, ou bien un peu avant. Et 1950, ou bien bon, bah on est. Okay. Mais comment se fait-il que qu'on y a l'homme de 14-15 ans? Moi-même, parce que en général, je toujours dit que ça a la mode, mais pas la mode. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime dans rien d'autre que ça a la mode. Et comment se fait-il qu'un adolescent de 14 ans attendait pour que ça aille? Mais j'aime qu'à comprendre pourquoi ça. C'est parce que définitivement, je vois que justement, il y a. C'est le Sam Dakadjo qui a eu régression par rapport à Sam Taptandé dans les années 60. Okay, okay. Il y a eu régression parce que Sam Taptandé après eux, pas définitivement surclassé. Ça t'a fait en années 50. Oui, c'est dans ça Sam Dakadjo où il y a eu régression. Mm-hmm. Mais il y a eu maintenant des courants différents côté des groupes qui viennent aller dans très bonne direction. Évidemment, l'instrument ne vient pas même genre, encore sonorité ne vient changer. Donc, on ne peut pas demander de jouer exactement même genre que l'orchestre a été mangé autrefois. Tout à fait. Ouais. Mais on est pratiquement exposé à beaucoup plus de technologie. Mm-hmm. Et puis, qualité sonore, là, il vient beaucoup plus diminuer. Comparativement, m'obligé faire analyse comparative là. Mm-hmm. Comparativement à ce qui se faisait dans le temps. Moins pensé, moins estimé, et en plus l'autre monde estimé que ça que qu'on a fait en Ontario, je veux parler des années 80, même 90, mm-hmm. je veux dire, son ça a été beaucoup plus bon que ça qu'a fait, je veux dire. Et donc, alors, non, ça dépend. Non, moi, je te demande ton opinion. Bon, non, au contraire, moi je ris parce que même pas ri comme si, dans le sens que tu as pensé, hein, et j'aurais été habitué, c'est même genre, c'est vrai, c'est même genre que Malon fait l'autre jour, de Nantine Yasmin, qui te font fête, on fait rétro, et nous avons joué musique disco, et puis, moi, brusquement, moi, je me suis pissé à danser, ouais. Parce que je me suis retrouvé. C'est-à-dire que son encore parler, c'est lui-même qui était à l'époque, il était vraiment, ou même on découvrait l'extraordinaire, c'était lui qui était à la mode, même il y a la garantie au bagage,
il y avait des mélodies à l'époque. Ah oui, tout à fait. Tout à il y avait des mélodies. Même si c'était une musique extrêmement, enfin, je ne dis pas commerciale, et extrêmement industrielle, si je peux dire dans ce sens plutôt. Mais il y avait définitivement et des mélodies. Quand il y a, quand il y a plusieurs et des bails qui ont passé, je me dis, bon, d'abord, je ne vais pas rentrer dans aucun débat, même je vais poser une question simple. Ok, vas-y. Il y a des musiques que je m'entendais, si je n'ai pas écrit, si je n'ai pas écrit les mélodiques, ce n'est pas une musique liée pour moi. Yes. Yes. Parce que, son monde qui a parlé, qui a dit, mais, je m'ai pensé jouer un côté mieux dans les mélodiques. Je ne vais pas jouer. À l'aise, à l'aise. Son show a fait. Et Gary Vito a appelé de temps en temps et ça fait plusieurs fois. Je sais que tu m'appelles. Michel. Je salue Michel qui nous écoute depuis. Mais on se voit. On se voit. Ok, 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 ok. Ok. Il y a Michel Schmidt qui te salue depuis la Suisse. C'est ancien monde, il dit Midéa, mais Caribbean 67 en pile. Xavier Wa. Bon d'ailleurs, dis-moi malade, so, et je au moins quelques mois depuis que je suis en de Gilbert Bailly qui tape bon nouvelle avant hier, so, après Choua, et Fonfon, si parler sous Haïti, bon et sous malade, vraiment, on a souhaité bon établissement. Ok. Ou comment c'est vous parler? Bon, et m'a parlé parce que soit bien intéressant. Yes. Et c'est comme ça que fait que timidité a volé. Parce que des fois. Timidité a fini. Non, des fois, quand nous retrouvons dans des situations que question n'est pas. Oui, tout à fait. Pas. Bon, il n'y a pas vraiment. Et fait moins. Oui, tout à fait. Il n'y a pas envie de parler. Je ne dis pas mouvement, des fois. Yeah, je te comprends. Mais il faut, original, il faut aider cette jeunesse. Et de ça qu'on avait parlé au téléphone avant que tu viennes ici. Il faut nous aider. Donc, là, aider jeunesse, ça ne veut pas jeune, c'est ça que je veux dire. Bon, ok. Depuis, il commence à faire blague, c'est que il commence à l'aise. Et c'est, bon, you know, I wanted to get to this point. Pour que monsieur à l'aise net. On va dire, this is beautiful. Mais Bobby m'a dit pour me prendre un break. I don't know for what. And well, on a continué. Et puis alors, nous arrivons à un point extrêmement important quand on parlait de justement de la sonorité des instruments. Justement, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me dire original que ou pas ouais différence sonore là, ouais, de façon particulière, différence sonore à ce qui se faisait dans les années 80 et je dis, différence là, l'impalpable, l'impalpable. Oui, ça m'a dit, c'est un autre courant musical qui paraît. Est-ce ça, que c'est là? Bon. Pourquoi ils sont estimés que c'est courant musical là? Bon, je vais essayer de comprendre tout le temps. Au contraire, je me bien aimé qu'on le, si possible, que nous chita avec des différents. Ingénieurs de son? Pas seulement ça, musicien ouais. Et DJ. Yes, yes. Oui, ça me dit ça. Parce que vous entendez que dit par exemple, Didier a composé une musique. Je voulais comprendre. C'est pas que je voulais comprendre. Donc, est-ce que c'est à partir de son capsotio ou bon, c'est intéressant parce que là, au contraire, je vais déphaser net. On a bien aimé qu'on ait gagné plus de détails et plus d'informations à ce sujet parce que comment dit comme voilà comme pas fréquenté milieu à pas au monde qui sorti en pile encore d'ailleurs donc il y a des détails que m'a gagné d'informations que m'a gagné donc mais je pense que ce serait une bonne chose ce serait une bonne chose tu as raison et que nous pas inviter seulement les musiciens nous inviter DJ et nous inviter aussi yon monde qui gagne émission mais on gagne émission radio même avec plusieurs couches de monde qui a évolué dans on pense d'abord dire industrie on pense d'abord dire
Invitons un DJ avec un musicologue, par exemple. Bon, ça peut se faire aussi. Ça t'a arrivé, qu'on y a, parce que pas bien, musicologue là, dit même tout, il est capable d'aller à l'extrême, comme si là, il peut aller pour laisser, au lieu que il ouvre des bars, il peut laisser coller les nègres là, pour aller dans le sens que les nègres sont peut-être pas capables. Et... Non, mais vous êtes clair, d'aller à la originale, vous êtes clair, vous dites que toute musique que on ne peut pas lire, n'est pas musique. C'est ça me dire. Mais c'est pas ce soir des cas. C'est ça lié, oui. Right. Ok. Ouais. So on y a. Ta musique, c'est sûr que la musique que tu fais. Elle peut être écrite. Et lue, évidemment. Oui. Parce que il y a quand même. Les normes sont respectées. Il y a la mélodie. L'intro, mélodie, coda. Enfin, même au niveau des textes, il y a. C'est pas décousu. Il y a quand même. Enfin. Il y a quelque chose. Et as a matter of fact, vous pensez qu'on a toute partition devant l'objet en musique? Non, pas du tout. Que pas moi, obligatoirement? Non, pas obligatoirement. Sur la musique, écoute, mais ça crive. Mounan qui fait musique, là, l'on doit écrire, l'on doit mémoriser, l'on doit tout ça, mais je que quand même, il est accessible à un autre musicien qui, l'autre des mélodies, l'on doit qu'on y a lui-même. Non seulement... écrit li, li doit réarranger à l'aise, li doit décider qu'on y a pour jouer en trio, en quartet, en quintet, en... Enfin, Jean Vlé, un grand orchestre, un orchestre philharmonique, même s'il veut. D'ailleurs, d'ailleurs, ou même au niveau disco, nous t'appelons d'ailleurs, c'était même pour musique Mozart, que tu mettais en disco à l'époque. Oh, ah bon? Ouais. Et après des Mozart et Beethoven, I'm sorry. Ouh, d'accord, tu es. Et donc, et finalement, et parce que quand écrit, on prend, et qu'on y est là, le qu'on attendait, on musique pas en bas, ça veut dire pas en bas, musique en pas en bas, okay. Et puis, bon monde, les mêmes qui a parlé sur lui, mais la musique m'attendait en bas, il est presque une référence rythmique, une référence mélodique liée dans les oreilles. Je ne suis pas qu'à définir quand la musique a commencé, quand elle finit. Tout à fait. Je suis avec toi. C'est très long comme débat. C'est délicat aussi. Bon, c'est mon critique pour détruire. Ou t'es posé une question. Non, absolument pas. Je ne pas droit faire ça. Je ne dois détruire rien. Chaque monde évolue. J'enlever. Non, nous ne pas là pour ça du tout. Tout à fait. Nous là pour essayer de comprendre. Yes. Et pour essayer de répondre aux questions qui posaient hein, au niveau de l'évolution, au niveau de maintenant de l'avenir de la musique en général, même pas de la musique haïtienne seulement, parce que quelques pays ont obtenu des musiques qui ne reconnaissent pas. Non, mais c'est mondialement que la musique a été. C'est ça.